Un personnage avide et sans scrupules, mu par un égoïsme forcené, nous avons l'habitude, en France du moins, de le traiter de vautour. Est-ce bien justifié ? Ces images ont été prises dans la montagne, en Andalousie, par un ornithologue allemand, le professeur Klaus König. Au premier abord, autour d'un cadavre, on pourrait croire que c'est la foire d'empoigne. C'est exactement le contraire. Il y a ici trois espèces de vautours. Pas de bagarre entre elles, parce que chacune est spécialisée, pourrait-on dire, en cadavéristique. Le vautour fauve, c'est le videur, capable de ne laisser d'un cadavre que la peau et les os. Avec son bec arracheur d'intestins et de chair molle, c'est le capitaine Crochet. On le croirait conscient de ce grade, puisqu'il veut toujours manger le premier. Mais c'est normal. Nous-mêmes savons qu'un poulet, il faut d'abord le vider. Les entrailles, c'est ce qui se décompose le plus vite. Le vautour fauve ne cesse donc de vider que lorsqu'il a fait le plein. Pendant ce temps, celui qui attend, c'est le vautour moine. On pourrait croire qu'il prie, craignant que le vautour fauve ne lui laisse que la peau. Pas du tout, c'est la peau qui l'intéresse. Il est déchiqueteur de peau et de tendons. Il est en liste d'attente. Enfin, il y a le smicard, le petit vautour nommé Percnoptère. Il se contente de ce qui reste, c'est un picoreur. Il picore même, horreur, les insectes nécrophages, mangeant ainsi celui qui vient manger le mort. Mais alors, direz-vous, c'est féodal. Le vautour fauve, c'est la noblesse. Le clergé, c'est le vautour moine. Et le picoreur, c'est le tiers-état. Oui, mais non. Un vautour moine en a ras-le-bol d'attendre, tout ça pour la peau. Il s'approche en exécutant une marche de parade. Au pas de loi, ailes écartées. Il roule des mécaniques pour intimider les vautours videurs. C'est lui qui devrait se faire vider. Eh bien, pas du tout. Ça marche. Les vautours fauves s'écartent. Et il avance vers la charogne en affectant ce que l'ornithologue lui-même qualifie de pose royale. Poussez-vous les fauves, à présent, moines d'abord. On pourrait penser que c'est un vautour moine andalou, fier et ombrageux. Ça n'est pas ça, la preuve. Nous voici en Afrique. On attend que la lionne ait fini, normal. Mais dès qu'elle est partie, revoici le coup de la marche royale. Le vautour n'est plus le même, c'est un de l'espèce dénommée couricou. Il fait coucouricou, c'est moi le roi. Et on le laisse passer. Il y a, assez régulièrement, un vautour qui, de cette façon, se met à intimider les autres. Et ça marche toujours. On s'efface devant lui. Seulement voilà, ce n'est jamais le même. Alors qui? C'est simple. Celui qui a le plus faim. Moi d'abord, mais parce que je n'en peux plus. Et juste le temps qu'il faut. Dès qu'il a un peu calmé sa faim, il est prêt à s'écarter à son tour devant un autre qui fera le coup de la marche royale. Ce mangeur de viande morte, qui l'eût cru, règle le problème de l'exclusion en créant une société qui repose sur un principe des plus simples. Le droit à l'égoïsme alternatif. À présent, Nous sommes sur la côte sud de la mer Morte. Vous allez voir, formé par des oiseaux, un kibbutz, ou, si l'on préfère, une tribu, car ces oiseaux habitent aussi le désert et le semi-désert de la péninsule arabique. C'est l'aube. D'un buisson d'acacia, où ils dormaient, descend un groupe de turdoïdes. Le mot vient de turdus, en latin merle. Les turdoïdes ont la taille des merles, l'allure des merles, et bien que ce ne soit pas tout à fait des merles, autant dire merle une fois pour toutes. Que font-ils donc, à peine réveillés, dans une cuvette qu'ils ont creusée dans la terre? L'ornithologue Lammers, qui a bagué certains des oiseaux de couleurs différentes pour repérer les individus, appelle cela la danse du matin. Chaque matin, ainsi, en se serrant les uns contre les autres, et en se nettoyant mutuellement le plumage, ils raffermissent le lien familial. Ils en ont besoin. Arrive un serpent, qui, lui aussi, fréquente ces buissons épineux. Les seuls abris possibles quand le soleil tape. Alerte, on s'avertit les uns les autres en battant des ailes. Le serpent s'en fiche complètement. Il a soif. Il va boire, sur le buisson, des gouttes de rosée du matin. Il s'y enroule habilement, sans s'écorcher la peau avec les épines. Pendant tout ce temps, il est entouré, à distance de sécurité, car il est trop gros pour les oiseaux. Mais l'avantage d'être en groupe, c'est qu'ils peuvent l'inquiéter, le déranger avec insistance. Il finit par regagner son trou. Fin d'alerte. De toute façon, il y a un guetteur, fonction qui procure, sans jeu de mots, une situation élevée. Dans la hiérarchie du clan, c'est bien placé. Aussi, de temps en temps, arrive un autre qui s'efforce de persuader le guetteur de lui abandonner son poste. Voyons voir comment il me nettoie. Ça va, il a le mot de passe. Attention, nouvelle alerte au serpent. Ah ah, c'est un jeune. Cette fois, on lui fonce dessus. Ces merles du désert ont le bec effilé comme une dague et savent parfaitement où frapper. À la tête. Voilà donc l'avantage du groupe. On chasse à plusieurs. Et on va le manger, ce petit serpent. Mais à partir de là, minute. Pas question qu'il s'en trouve un pour faire, comme chez les vautours, le coup de la marche royale. Ici, c'est à la chasse tous pour un, à la bouffe, chacun pour soi. D'ailleurs, on n'a pas toujours la chance de trouver un petit serpent. Ce qu'on n'a toujours pas compris chez ces oiseaux, c'est le truc qu'ils ont pour repérer jusqu'à 20 cm sous le sable des œufs ou des larves d'insectes enfouis. Ou c'est acoustique, ou ils ont au bout du bec un sismographe ultra sensible. Et ça marche comme en Amérique au temps des chercheurs d'or. Dès qu'un individu a trouvé quelque chose, tout le monde se précipite pour fouiller autour. Mais voyez la hiérarchie familiale. Une femelle vient de déterrer une larve. Arrive une femelle dominante, qui détourne son attention en lui enfilant une boulette de nourriture dans le bec et en profite pour lui faucher sa larve toute fraîche, bien meilleure. Car il y a, chez ces oiseaux arabes, comme une organisation de harem féministe. Tout le monde participe à la construction des nids, à l'abri des buissons, mâles et femelles. Mais une seule femelle a le droit d'y pondre, celle qui a le rang le plus élevé dans le clan, la sultane. Comment s'impose-t-elle? Par la force. Voici une bagarre entre une mère sultane et sa propre fille, qui la suit dans la hiérarchie, mais voudrait la détrôner et pondre à sa place. Ça ne plaisante pas du tout. On vise le bec et les yeux. C'est la mère qui gagne. Mais l'année prochaine, une autre de ses filles l'attaquera. On préserve, pour le salut de l'espèce, les gènes de la femelle la plus capable de chasser et de défendre une famille. Par contre, une fois que la sultane a pondu, tous les membres de la famille viennent à tour de rôle s'occuper des oisillons. Et les mâles ne sont pas les derniers à jouer les nourrices et les babysitters. Ils y mettent tant de zèle que parfois, arrivant à plusieurs en même temps pour les nourrir, ça se bouscule aux oisillons. Les membres de la famille se relaient aussi pour assurer la propreté du nid, en avalant les cacas dès qu'ils sont lâchés. Avec la chaleur, il vaut mieux. Et comme pendant la période sèche, les feuilles de ces buissons laissent passer trop de soleil, les adultes se relaient aussi pour faire les parasols de nid, faisant de l'ombre à des petits qui ne sont pas forcément les leurs. Qu'importe, c'est leur famille. Une famille qui peut compter jusqu'à 20 membres et occuper un territoire d'1 km². Mais ces frontières au bord de la mer Morte sont souvent contestées. Et il arrive, comme ici, qu'une famille ait la prétention d'empiéter sur le territoire de la voisine. Alors, c'est la guerre. Jusqu'à ce qu'on ait repoussé tout le monde à la frontière. En alternant, selon les cas, la cohésion sociale et l'égoïsme individuel, ces merles du désert obtiennent un maximum de chances de survie. 15 ans par individu. Ils vivent au singulier, tout en s'accordant au pluriel quand il faut. Ceci, grâce à une syntaxe d'une grande simplicité. On se serre les uns contre les autres et on se nettoie les plumes. Et le propre d'une société évoluée, étant d'aménager du temps libre, voyez à quoi jouent ces oiseaux. Au chat et à la souris. Ou alors, ils font des roulades, se mordent les plumes de la tête, sans se blesser. Leurs petits copains attendent de pouvoir jouer aussi à se bagarrer. Le jeu contribuant à souder leur communauté, tout en les entraînant à se battre quand il faudra. Et savez-vous la cause essentielle qui les a amenés à se socialiser? Ce n'est pas seulement le désert. C'est aussi, et d'abord, qu'ils ne savent pas très bien voler. Disons que, tout au plus, ils volettent. Alors ils se sont dit, le désert étant ce qu'il est, mieux vaut s'y battre en famille qu'y mourir tout seul. À présent, comparons. Voici exactement le contraire. Un oiseau fier et solitaire, dont la devise pourrait être celle de Cyrano, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Il est ici tout de même à 50 mètres. Nous sommes au bord d'un lac de Finlande. Avant la guerre de 1914, il suffisait encore, en France, d'un lac des Vosges ou de Savoie pour admirer cet oiseau. Nom français, le balbuzard, de l'anglais balbuzard, buzard chauve. Pendant des siècles, faute de pouvoir l'observer ainsi, au téléobjectif et au ralenti, les plus grands naturalistes, y compris Linné, ont gravement affirmé, en latin, que l'aigle pêcheur avait le pes sinister subpalmatus, le pied gauche palmé, l'autre étant normal, avec des serres. C'est ainsi, disait-on, qu'il attrapait les poissons dans l'eau, en nageant du pied gauche et en agrippant du pied droit. La réalité est à la fois plus simple et plus admirable. Venu d'un nid perché parfois à 20 km du lac, l'aigle pêcheur commence par décrire des cercles d'observation. Pas facile de repérer sur le fond sombre du lac le dos d'un poisson toujours camouflé en noir. Encore moins facile de diriger un piquet pour plonger dessus. Quoi, dira-t-on peut-être, un oiseau qui plonge, pas la peine d'en faire un plat. Encore faut-il, durant ce temps, contrôler son assiette et pouvoir corriger instantanément l'angle et la direction du piquet en jouant des ailes et de la queue plus vite que l'ordinateur d'un Airbus. Car le piquet en vitesse réelle dure, selon la hauteur, de 2 à 4 secondes. Accélération, 6 mètres à la seconde. Vitesse maximale, juste avant de toucher l'eau, 80 km/h. C'est dans la dernière demi-seconde qu'il tend vers l'avant ses pieds trapus recouverts d'écailles, munis de serres à poissons, faites pour s'y planter. Et si le poisson, in extremis, disparaît de sa ligne de mire, pas la peine de plonger pour rien. En 2 ou 3 dixièmes de seconde, il rentre le train des griffes et, dans le même temps, remet la gomme, comme disent les pilotes, pour reprendre de la hauteur. Mais il arrive qu'ils s'en aperçoivent trop tard, ou que le poisson lui échappe sous l'eau. En fait, il ne réussit à pêcher un poisson qu'une fois sur 3. Ne pesant guère plus d'1,7 kg, il peut sortir de l'eau des poissons de 2 kg. Mais c'est un maximum. Et alors, c'est du sport. Ici, le plongeon n'est pas très profond, parce que le poisson est juste sous la surface de l'eau. Mais il se débat. Le problème, pour l'oiseau, est de produire en sortant de l'eau une grande puissance ascensionnelle. Pour ce faire, il bat des ailes si largement que les pointes se touchent presque, à l'avant et à l'arrière, ce qui augmente la vitesse du courant d'air à la surface supérieure de l'aile. La force ascensionnelle ainsi produite augmente avec le carré de la vitesse de ce courant d'air, ce qu'il ignore carrément. Il fait de l'aéronautique sans le savoir. On aurait tendance à penser qu'au moment de redécoller, c'est le battement vers le bas uniquement qui le soulève. En fait, il s'arrange pour exploiter aussi le battement vers le haut, en soulevant et écartant les plumes de ses ailerons pour faciliter l'écoulement de l'air. Malgré tout, c'est le battement vers le bas qui est le plus important, surtout avec un poisson qui fait des difficultés. Il lui faut projeter les ailes hors de l'eau le plus haut possible. Une fois en l'air, chaque fois qu'il élève les ailes, il abaisse le poisson, allégeant ainsi le fardeau. Mais ça n'est jamais gagné. Voilà qu'il a saisi un gros poisson seulement par la queue, ce qui permet à celui-ci de se débattre avec vigueur. Il lui faut alors le lâcher un instant d'une patte, sans le perdre, et assurer la prise en l'agrippant par le milieu du corps, tout ça en plein vol. Ça y est, le poisson est tenu en position aérodynamique, à la manière d'un missile sous avion. La vitesse augmente. Mais quelle fatigue! L'oiseau ouvre le bec à chaque battement d'aile vers le haut. Il a besoin d'aspirer de l'air. Enfin, il arrive que le balbuzard s'abuse quant à ses capacités, qu'il pêche au-dessus de ses moyens, des poissons de plus de 2 kilos. Dans ce cas, il est entraîné sous l'eau, et le poisson est en mesure de le déséquilibrer. Allez, on redécolle. Et non. Deuxième essai. Il va finir par être obligé de lâcher ce poisson géant, dont vous allez voir le reflet filer sous la surface en avant de lui. Il est même arrivé ceci en Allemagne. On a pêché dans un lac une carpe avec un aigle sur le dos, à l'état de squelette. Elle pesait 5 kilos. Elle avait dû l'entraîner sous l'eau et le noyer, les serres étant si fortement plantées que le cadavre ne s'était pas détaché. Pour combien de temps cet oiseau fier et solitaire est-il encore de ce monde? Plus longtemps sans doute. Priez pour lui, pauvre aigle pêcheur. À moins qu'on le réintroduise, là où il était encore au début de ce siècle, en France et partout en Europe et en Amérique où il y a des lacs. Il a, face à l'homme, un tort, celui d'être trop tentant pour le fusil. Et il a, au regard de l'évolution, un handicap qui ne pardonne pas, celui de vivre trop seul, sur un grand territoire, comme tous les prédateurs en haut de la pyramide des consommateurs. Un seul aigle pêcheur disparaît, c'est toute l'espèce qui est en danger. Pas comme le merle du désert qui vit en tribu. Un seul merle vous manque et rien n'est dépeuplé. Les espèces qui s'en sortent sont celles qui se socialisent. Voilà pourquoi en Savoie, par exemple, sur le lac du Bourget, où rêvait Lamartine, on ne reverra sans doute jamais plus l'aigle pêcheur. Le temps y a suspendu son vol.